Bonsoir à tous. Merci d'être là et puis surtout d'assister à toute cette. J'ai pas besoin de ça. Ah, mais c'est mieux. Parce que d'où je viens, on parle aussi avec les mains. Donc ça m'arrange de ne pas avoir un micro. Donc oui, merci aussi de suivre ceci, puisque je l'ai eu la chance de le co-organiser pour la BNF avec Jean Eisenstedt, qui ne peut pas être là ce soir. Il y a une grande conférence cette semaine à Berlin, encore pour le centenaire, ça n'arrête pas, il y en a un peu partout dans le monde, et donc il ne sera pas parmi nous ce soir. J'en ai profité pour vous amener un certain nombre de docs. C'est le mois dernier, je crois que je vous avais amené le numéro du 1 qui était parti, on nous avait demandé si on en avait d'autres. J'ai réussi à en récupérer un paquet, donc voilà, ça fait quelques heureux. Et puis, juste pour information, il y a en ce moment une exposition dans la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré qui est ouverte au public. Donc vous pouvez venir voir la bibliothèque et il y a cette exposition. Donc c'est tous les jours de la semaine, hein, du lundi au vendredi de 10h à 18h. Et donc il y a les bonus du film sur la relativité qui a été fait par l'Institut Henri Poincaré. Et plein de choses à voir. Et en particulier, je vous avais parlé la dernière fois, pour ceux qui étaient là à la conférence de Dominique Lambert, il avait parlé des cercles de Villarceau, et je vous avais dit, on a une sculpture des cercles de Villarceau, dont vous pourrez la voir d'ailleurs avec tous les autres modèles de l'Institut Henri Poincaré. Donc voilà, ça c'est pour finir avec la publicité. Et donc aujourd'hui, donc on s'était dit, on va parler de cosmologie, on a rajouté relativisme, puisque c'est un cycle sur la relativité. Alors, il est clair qu'il y a une relation étroite entre cosmologie et relativité, ce que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Il est aussi clair que les hommes n'ont pas attendu la relativité pour faire de la cosmologie. La cosmologie, c'est quelque chose que l'on fait depuis des millénaires. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a deux choses qui sont importantes pour toute grande civilisation, du moins à mes yeux. C'est une cosmologie et une anthropologie. C'est en gros comment est le monde et comment je suis au monde ou comment je suis avec les autres personnes dans le monde. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui attire beaucoup les gens parce que c'est un domaine scientifique, mais ça dépasse le domaine scientifique. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que je crois que ce domaine de la cosmologie est vraiment devenu un domaine scientifique au XXe siècle et qu'avant ça, on a fait des représentations de l'univers, on en a fait de tout type. Et pour parler de l'environnement qui nous entoure, on est dans une bibliothèque. Alors, c'est un endroit où on peut citer Borges. Moi, je suis un fan de Borges. Donc, pas dans le texte sur la bibliothèque, mais il y a un endroit où il nous explique qu'il se pose la question de savoir si le monde a un sens. Et il se dit, de toute façon, ce n'est pas grave qu'il en ait un ou qu'il n'en ait pas un. Ce qui est important, c'est d'être capable de plaquer un sens sur le monde, parce que sinon, il serait invivable. Et je crois que c'est exactement ce qu'on fait depuis des millénaires, c'est qu'on observe ce ciel, on voit plein de structures, et on doit plaquer un sens qui peut être mythologique, qui peut être poétique, et qui peut être scientifique quand la science nous permet de parler de l'univers. Ceci étant dit, il faut distinguer deux choses. Alors, pour ceux qui ont déjà vu quelques-unes de mes conférences, j'insiste beaucoup sur ces deux types de cosmologie. Alors, c'est un peu difficile hein, parce que ça ne s'entend pas, mais la cosmologie avec un petit c, la cosmologie avec un grand c, pour distinguer qu'en fait, dans cette approche, il y a quand même deux choses très, très différentes. Il y a la cosmologie que je vais appeler la cosmologie scientifique, qui finalement va partir de théories scientifiques, va partir d'observations, va faire des modèles, va essayer d'avoir une image cohérente de l'univers que l'on est capable d'observer et dans lequel on va pouvoir faire des modèles, réfuter des modèles, et donc il y a vraiment une approche scientifique. Et on a la cosmologie avec un grand C. Alors elle, c'est plutôt une approche qui est un peu liée à la métaphysique, qui voudrait avoir une représentation de l'univers dans son ensemble. Donc souvent, ça veut dire que déjà, il faut avoir une idée a priori de ce que c'est que l'univers. Aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de gens pensent que notre univers est trop petit, donc ils parlent même d'univers multiple. Mais si l'univers est dans toutes les choses qui existent, on voit que déjà, là, il va y avoir une confusion de termes qui peut être un peu importante. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette cosmologie-là, eh bien, va reposer sur des discours qui, parfois, ne sont pas testables scientifiquement. Et pour moi, il est important de distinguer les deux, parce que les deux sont des approches légitimes, mais elles n'ont pas la même portée, en tous les cas, pour quelqu'un qui fait de la science. On a beaucoup de résultats en cosmologie physique, sur lequel on est d'accord en tant que communauté. C'est-à-dire que quand je parle de cosmologie physique, c'est bien sûr moi qui vous parle, mais en général, je vous parle de travaux qui ont été établis par une communauté de chercheurs à travers le monde, avec des approches qui peuvent être reproduites. Et je vais vous parler d'un modèle qui a ses failles comme tous les modèles. Il n'est pas une explication finale de la réalité. Mais néanmoins, c'est
dans le cadre de cette démarche scientifique. Quand je parle de cosmologie, je peux vous parler des choses qui me plaisent. Je peux croire que les univers multiples existent. Je peux avoir des arguments théoriques pour l'existence de ces univers multiples. Je peux vous dire que l'univers est fini avec une topologie. Je peux avoir des arguments pour ça. Mais beaucoup de choses dans ces affirmations-là n'engagent que la personne qui le parle et pas la communauté. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce cadre-là beaucoup de spéculations. Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette cosmologie met des contraintes passives sur cette cosmologie. Et ça, c'est le cas général. La science met des contraintes passives sur tout type de métaphysique, sur tout type de croyance. Et c'est très important aujourd'hui de bien faire la distinction entre les deux, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire passer cette cosmologie pour de la cosmologie comme ça, en disant qu'on peut raconter des histoires, qu'on peut créer des modèles un petit peu comme on le veut. Et ça, pour moi, c'est une façon de dégrader les valeurs de la science, et je pense que par les temps qui courent, c'est une très mauvaise idée. Donc, je distingue toujours ces deux-là, et dans tout ce que j'écris, j'essaye de bien distinguer les deux et la portée des deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux se parlent. Bien sûr, il y a des questions qui sont des questions de cosmologie avec un grand C, qui pendant une période vont devenir des questions de cosmologie avec un petit C. Et puis il y en a d'autres où on ne va plus pouvoir trancher la question, on va pouvoir montrer que la question n'est plus décidable. Et bien dans ce cas-là, ça va quitter le domaine de la science. Et bien ce n'est pas grave. C'est aussi ça, la science se pose un certain nombre de questions qu'elle peut aborder avec les méthodes scientifiques. Et si certaines questions ne peuvent pas être abordées comme ça, et bien tant pis, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas qu'elles sont des questions intéressantes. Donc on va commencer par cette idée de savoir qu'est-ce que c'est que de modéliser le cosmos, et dans ce titre, il y a une chose qui est très importante, c'est le mot modéliser, et c'est le concept de modèle. Alors en physique, je pense qu'en science en général, il faut vraiment se rappeler qu'on ne fait que des modèles. Alors un modèle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une représentation d'un phénomène de la nature, qui va être une représentation simplifiée, et d'une telle façon qu'elle est suffisamment simplifiée pour que je puisse dire des choses intéressantes sur ce modèle, sans pour autant le caricaturer. Donc il faut qu'elle soit simple, sans être simpliste. Et c'est là que le modèle va être intéressant. Et donc dans la nature, vous allez toujours, donc en science, vous faites toujours des modèles. Alors ça, c'est la première chose, c'est qu'on est en train de parler d'une représentation d'un phénomène de la nature, et il ne faut pas confondre le phénomène de la nature et sa représentation. Donc peut-être je vais vous parler tout à l'heure de modèle du Big Bang. Le Big Bang est un modèle, c'est une construction théorique, mathématique, physique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Big Bang, d'accord ? Ça c'est il faut vraiment faire la notion des choses qui existent dans l'espace du modèle, dans cette représentation, et les choses qui existent dans la nature. Et donc ça nous mène à cette relation de bon modèle. Et un bon modèle vient toujours avec un domaine de validité, c'est savoir quand est-ce que j'ai le droit d'appliquer ce modèle de la physique. Et il y a des moments où on va être en dehors du champ d'application de ce modèle. C'est pas grave, on a toujours le droit d'extrapoler en dehors de cette zone-là. Le problème, c'est que si on trouve des problèmes, quoi, c'est pas un problème. Si on trouve des problèmes en extrapolant, eh bien, ça nous dit simplement que le modèle est arrivé à ses limites, et ça nous dit qu'il va falloir étendre votre modèle. Et ça, c'est le moteur naturel de la science, de faire des constructions. Ces constructions vous font poser des nouvelles questions que vous ne pouvez pas poser avant, et vous remettez en cause les constructions précédentes. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et ça veut aussi dire que par construction, cette description va être limitée. Elle va être limitée. Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous parler d'un ensemble de connaissances. Donc j'ai noté, ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai noté Jonas Kohn. Je ne sais pas si vous connaissez Jonas Kohn, c'est un philosophe allemand post-kantien. Et il a un petit texte, c'est un gros livre en fait, qui s'appelle Théorie de l'infini. Et au début, il commence à faire toute une petite introduction. Il dit, vous savez, le mot comprendre. Alors c'est vrai que ça marche en français, c'est en allemand, mais c'est une traduction française, parce que je ne parle très très mal allemand. Il dit, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. Et il dit, quand on comprend quelque chose, ça veut dire qu'on est capable d'en saisir. D'ailleurs, saisir, c'est aussi saisir, comprendre, saisir, prendre. On est capable d'en saisir les limites. Et en fait, une compréhension, c'est d'être capable de déterminer les limites de notre sujet d'étude. Et cette construction, elle doit se baser sur un certain nombre de postulats que l'on va décréter comme étant vrais. Et on peut toujours poser la question pourquoi ? Pourquoi ça ? Si je vous dis la matière est faite de protons, vous allez dire pourquoi le proton ? Qu'est-ce que c'est que le proton ? Peut-être je vais arriver en disant bah, c'est fait de quark. Vous allez dire et le quark c'est quoi ? Et pourquoi le quark ? Et pourquoi cette symétrie ? Et pourquoi ça ? Donc en fait, parce que la science, on ne peut pas expliquer l'autre monde à partir de rien, on est obligé de faire des postulats de structure, en général basés sur des constructions mathématiques. Et ça, on peut toujours questionner la validité de ces questions. Et donc il dit, attention, ça veut dire que ce qu'on est capable d'expliquer est toujours fini,
Les questions qu'on est capable de poser sont toujours infinies. Il y a une sorte de pression de l'infini sur le fini. Et ça, c'est le moteur de la connaissance et aussi le moteur de toutes les croyances. Donc, dans votre modèle, il va falloir se dire, bah, c'est pas grave, s'il y a un truc qui marche pas, c'est un bon signe. Et il va falloir remettre en cause une partie du modèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter d'un seul coup, parce que dans ce cas-là, on ferait une erreur grandiose. Ça veut aussi dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas être capable d'expliquer. Chaque modèle va avoir sa propre ontologie. Si je fais de la physique nucléaire, eh bien, je vais supposer qu'il existe un certain nombre de particules. Je ne cherche pas à les expliquer dans ce cadre théorique-là. Je devrais faire une théorie pour expliquer ces objets-là. Et donc, on voit que ça implique que la nature est en fait structurée sous une forme de hiérarchie en fait, de théories physiques qui sont modulaires. Bon, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé avec un de mes collaborateurs sud-africains, George Ellis, et je ne vais pas le développer, mais c'est très important de comprendre pourquoi notre connaissance, nos théories de la connaissance de la nature sont structurées de cette façon-là, parce que sinon, le monde ne pourrait pas être compréhensible. Imaginez que pour comprendre eh bien, simplement la lumière, pour faire de l'électromagnétisme, vous soyez obligé de comprendre la structure des noyaux atomiques. Eh bien, en fait, vous ne pourriez pas commencer parce qu'on commence par étudier de la nature à certaines échelles d'énergie en faisant des expériences simples, et ensuite, on va pouvoir creuser. Si vous avez besoin de connaître la théorie fondamentale pour expliquer la physique à votre échelle, eh bien, vous n'êtes pas capable de commencer à créer une explication, à mettre une théorie sur place et à la tester par l'expérience. Donc, il y a vraiment une structure très importante, et ce qui prouve que dans ce débat-là, ce qui est plus important, c'est bien sûr les réponses sont importantes, mais les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, les hommes se sont retrouvés confrontés au ciel qu'ils observent depuis toujours. Ça, c'est un exemple d'observation qui date de 34 000 ans avant notre ère. C'est un os gravé qui a été trouvé à la grotte Chauvet. Et on voit sur cet os, alors je ne suis pas archéologue, mais les archéologues disent que eh bien, sont représentées ici les phases de la Lune pendant 2 mois et demi. Et là, on voit des petits crénelages. Eh bien, on peut penser que c'est un décompte des jours. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, c'est que il est clair qu'aujourd'hui, si vous regardez ce soir, vous levez les yeux, vous allez voir très peu d'étoiles. Si vous allez dans une école et vous commencez à discuter avec des enfants en CE1, CE2, et vous leur demandez de parler du ciel, ils vont vous dire il y a la Lune, ils savent plein de choses sur la Lune, ils vont même savoir des trucs sur les trous noirs qu'ils n'ont jamais vus. Même parfois, ils en connaissent plus sur les trous noirs que vous, quoi, du moins, ils en connaissent beaucoup. Et si vous leur demandez, mais finalement, dessinez-moi la Lune tous les jours, avec sa forme, eh bien, vous allez vous rendre compte que la plupart n'ont jamais remarqué que parfois la Lune, on la voit le jour et pas la nuit, que parfois elle a des croissants, parfois sa forme change. Et des choses qui sont aussi simples que ça, notre relation directe au ciel, eh bien, on l'a perdue parce qu'on regarde ce monde à travers des écrans. Et puis dans des villes comme les nôtres, la pollution lumineuse fait qu'on a perdu cette connexion au ciel. Alors en fait, ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, eh bien, les gens voyaient le ciel, il n'y avait pas d'éclairage public, et surtout le soir, il n'y avait pas de télévision. Donc la seule chose que vous faisiez, c'était regarder le ciel, et puis raconter des histoires. Donc vous faisiez une connexion entre les deux, et tous vos mythes, vous les mettiez dans le ciel, et vous ordonniez le ciel par rapport à votre mythologie. Donc ça, c'est vraiment cette relation au ciel, elle est très importante, parce que finalement, c'est ce qu'on continue à faire. C'est vraiment un moteur pour beaucoup d'entre nous qui travaillons en astrophysique. Alors si on regarde le ciel, on voit plein de choses. Si on est à l'œil nu, ben, on voit le soleil et la lune, c'est déjà pas mal. On voit des étoiles, c'est des petits points lumineux. Si on a un petit télescope, on va voir des planètes, on peut voir que certaines de ces planètes ont des satellites. Avec un grand télescope, eh bien, on va pouvoir compter des milliards de galaxies. Donc on voit que ce que l'on va vouloir expliquer va aussi dépendre de ce qu'on est capable d'observer. Et donc ça nous dit, bah, voilà ce qu'il va falloir faire, il va falloir observer, c'est la première étape. Et puis à partir de ça, on va construire une représentation. Et on voit que tout ça va dépendre de deux choses. Et bien, ce qu'on est capable d'observer, donc ça va dépendre de nos connaissances en astronomie, en technologie, et de ce qu'on est capable de concevoir, donc de nos connaissances en mathématiques, en philosophie. Si on n'a pas les deux, eh bien, on fait une liste d'objets, et puis c'est bien de faire des listes d'objets, mais on n'a pas de théorie, on n'a pas de cadre général, on n'est pas capable de définir des classes d'objets. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible que dans ce schéma-là, on soit à un moment obligé de changer de modèle. Alors aujourd'hui, on a un modèle, il s'appelle le modèle du Big Bang. Ça, c'est très connu. Il y a même une série télé qui s'appelle The Big Bang Theory. Donc ça, c'est devenu tellement populaire que tout le monde a entendu parler ce nom-là. On sait exactement quand ce mot a été forgé. C'est le 28 mars 1949. Fred Hoyle, qui est un astrophysicien anglais, a été dans une émission de la BBC. Et à l'époque, lui, il défendait un modèle statique de l'univers. Et le modèle opposé, donc, qui est devenu ce fameux modèle du Big Bang, était le modèle d'évolution dynamique. Et pour se moquer de ce modèle-là, il a parlé du Big Bang. Il trouvait ça complètement affreux, d'ailleurs, que l'univers puisse apparaître dans un Big Bang. Et donc, ça a popularisé ce nom-là. Alors ça, c'est intéressant. On a un mot, tout le monde le connaît, mais si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que le Big Bang,
eh bien, il n'y a pas deux personnes qui vont mettre la même chose sur ce nom-là. Même dans les scientifiques, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le modèle du Big Bang. C'est pas qu'il y a des désaccords, c'est juste que le modèle a beaucoup évolué pendant 70 ans. En fait, il s'est construit par strates, les unes après les autres, où on a rajouté des couches explicatives les unes sur les autres pour expliquer des phénomènes, des questions en fait, qu'on ne pouvait pas se poser dans les années 20 ou dans les années 40. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment ce modèle est construit, et vous montrer que c'est finalement un modèle qui est construit en quatre couches, qui sont indépendantes les unes des autres, qui n'expliquent pas les mêmes choses. Et puis, d'un autre côté, que ces couches ont été construites historiquement les unes après les autres, en reposant les unes sur les autres. Donc un biologiste vous dirait que, comment ils disent les biologistes, que l'ontogénèse reproduit la phylogénèse, ou l'inverse, je ne sais plus, c'est ça. Donc il y a un rapport entre la structure et le développement historique. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir deux contraintes. On veut prendre en compte toutes les lois de la nature qui sont connues. Voilà, tout ce que l'on connaît en accélérateur, en physique de laboratoire, en expérience dans le système solaire. Et puis, on voudrait reproduire tous les phénomènes astronomiques connus. Voilà, ça, c'est simple comme question. C'est une question c'est deux contraintes qui paraissent assez simples. Il faut se dire que dans l'histoire de l'humanité, simplement réconcilier ce qu'on considérait être les lois de la nature avec les phénomènes observés, quand on parlait du système solaire, eh bien, ça a mené à un débat byzantin pendant 20 siècles entre de construire un modèle dans lequel on pensait la Terre était au centre de l'univers et dans lequel les planètes avaient des mouvements circulaires. Donc là, on voit que même avec des choses finalement qui ne sont pas très contraignantes, c'est très difficile. Alors, on va faire un modèle d'univers, c'est une chose, mais comme on va vouloir comparer des observations, il faut aussi être capable de calculer, de prédire ce qu'un observeur, ce qu'un observateur qui vivrait dans cet univers théorique-là observerait. Parce que ce que vous voulez comparer, ce n'est pas le modèle d'univers à vos observations, c'est ce qu'un observateur observe. Et ça, c'est une chose qu'on oublie souvent de dire et qui pourtant est un gros travail de physique théorique, de savoir, j'ai construit un modèle d'univers, eh bien, je prends un observateur dans cet univers, à quoi ressemblent ces observations? Parce que c'est ça que vous allez devoir comparer à ce que vous observez. Alors, la cosmologie a beaucoup de particularités, parce que souvent, on nous a dit que ce n'est pas de la science parce qu'on n'observe qu'un seul univers, donc il y a un problème de reproductibilité. On observe un seul univers, depuis un seul point de l'espace et du temps, ici, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis souvent que l'univers, ça commence ici, c'est-à-dire qu'avant d'expliquer les galaxies, il faut déjà expliquer ici, donc il faut expliquer la structure de la matière, et donc on doit prendre en compte toute la physique connue. Et ça veut dire que, comme j'observe l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps, eh bien, mon modèle a une dimension historique. Donc ça veut dire qu'en termes de démarche scientifique, eh bien, je dois utiliser la déduction, hein, comme en mathématiques par exemple, je dois utiliser l'induction, le fait qu'il y a des phénomènes qui se répètent, et je vais supposer que s'ils ont une certaine régularité, eh bien, ces phénomènes sont toujours vrais. Ce n'est pas la même chose que déduction. Et puis, on doit utiliser l'abduction, ça veut dire utiliser des lois de la nature pour reconstruire les conditions dans le passé. Donc, essayer de reconstruire les conditions initiales dans notre univers. Et on voit que ça, eh bien, en termes de force logique, on n'est pas au même niveau. D'accord ? Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vu ça, par exemple, l'année dernière avec mon fils, il y a des profs de maths qui confondent l'induction et la déduction. Donc ça commence à devenir assez grave. Mais il faut avoir une conscience de la différence des deux, parce que ça veut aussi dire que ça va influer sur la crédibilité qu'on va donner dans notre construction. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être capable de reconstruire à partir de ça l'histoire la plus probable, et donc aussi d'être capable de quantifier la crédibilité de cette construction. Elle va dépendre de deux choses, des hypothèses théoriques et de la validité des lois de la nature que j'ai utilisées pour faire cette représentation, et puis aussi des observations qui sont à ma disposition. Et donc, ce qui va être important, on va expliquer plein de phénomènes, et on va chercher à maximiser la cohérence de l'explication de plein de faits qui nous semblent très, très différents. Et en particulier, il arrive parfois que sur des questions qui sont particulières, pour l'instant, le modèle n'est pas vraiment prédictif ou pas explicatif. On voit surgir de temps en temps des explications ad hoc de ce phénomène-là. Alors, les journalistes les adorent, je ne sais pas pourquoi, mais quand, en général, c'est des explications isolées d'un phénomène qui ne rentre pas dans ce cadre théorique, eh bien, on a tendance à les remettre beaucoup en doute, parce que ce qui est important, c'est qu'elles s'accordent avec l'ensemble, avec le plus de faits possibles. Et bien sûr, on va parler de l'univers, on va remonter dans les instants les plus primordiaux de l'univers, et donc on va devoir extrapoler. Alors extrapoler, c'est important, parce que ça veut dire que c'est là où on laisse aller aussi notre créativité en tant que chercheur. On va parler d'univers possible,
Et ça, c'est important. Je veux dire, sans extrapolation et sans spéculation, il n'y a pas de recherche possible. On ne peut pas se dire quel type d'expérience est-ce qu'il faudrait faire pour valider telle ou telle hypothèse. Mais il est important de bien faire la différence entre ces extrapolations, ces spéculations et ce qui est vraiment établi. Donc voilà, on va bientôt commencer. Hein. Là, tout ça, c'est mon préambule. Mais vous voyez, avant de commencer à écrire le moindre calcul, il faut quand même... Donc on va faire de la cosmologie. Et donc ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va partir des lois de la nature, donc la physique théorique, et puis on va avoir plein de phénomènes par l'astrophysique, et on va vouloir faire un modèle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être compatible avec la physique locale et reproduire le plus possible de ces observations. Et donc il va falloir faire un certain nombre d'hypothèses, et en fait notre modèle repose sur quatre grandes hypothèses que j'ai notées ici. Donc il y a d'abord savoir ce que l'on considère comme étant la théorie qui décrit la force que vous appelez la gravitation. Donc ça c'est la théorie de la relativité générale. Il faut savoir quelle est la matière présente dans l'univers et quelles sont les forces qu'il va y avoir entre ces particules de matière. Alors ça, on a un modèle en physique des particules, ça s'appelle le modèle standard de la physique des particules, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'ai mis en rouge ici, alors CDM, ça veut dire cold dark matter, ça veut dire la matière noire, et puis lambda, c'est la constante cosmologique. Vous n'en faites pas, je vais revenir là-dessus. Mais la cosmologie, la compréhension de l'univers nous dit qu'il doit exister dans l'univers un type de matière que nous ne sommes pas encore capables de mettre en évidence dans la physique des accélérateurs. Donc ça, c'est bien, ça veut dire qu'il va y avoir des découvertes en physique d'accélérateurs hein, bientôt, ou du moins un jour. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Là, on a des lois de la nature, alors c'est des équations qui sont très, très difficiles à résoudre. On ne peut pas les résoudre dans leur pleine généralité, donc il va falloir chercher des solutions simplifiées de ces ensembles d'équations. Et pour ça, on va faire des hypothèses de symétrie. On en a une qui s'appelle le principe copernicien. Là aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ça, vous voyez, ça, c'est les théories de la nature, ça, c'est des modèles, une classe de modèles dans ces théories-là. Et puis, dans ces modèles-là, il y a des propriétés qui ne sont pas déterminées, comme par exemple la structure globale. Est-ce que l'univers est fini ou infini? Eh bien, ça, c'est simplement une propriété de ce modèle, de cette théorie. Donc, vous voyez, ces hypothèses n'ont pas le même statut, c'est-à-dire que je pourrais changer ça, dire qu'il y a une topologie, ça ne remettrait rien en cause sur les étages du dessus. Donc ça, c'est très important de savoir, quand je vais tester quelque chose, savoir où je me place dans ce niveau d'hypothèse. Et si on fait ces quatre hypothèses, on arrive à une implication qui est, je ne vais pas dire directe, mais presque, c'est que l'univers est en expansion. Et ça, c'est une grande découverte. C'est-à-dire, il y a un siècle, vous auriez dit ça à Einstein, il se serait retourné avant d'être dans sa tombe. Donc c'est pour vous dire que, d'ailleurs, il l'a fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aujourd'hui, au XXe siècle, il n'y a personne, à part quelques personnes malhonnêtes, qui pensent que l'univers n'est pas en expansion. Donc ça, c'est important. C'est un acquis. C'est un acquis de nous tous. Donc on va parler du modèle du Big Bang. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a développé en quatre couches. Et à chaque fois, dans chacune des constructions, on va avoir une modèle théorique qui repose sur de la physique qui est validée jusqu'à un certain niveau. Et on va avoir des observations. Donc c'est toujours important de parler des observations qui valident les hypothèses de la couche en question. Donc je vais essayer de vous présenter tout ça, et vous imaginez que si je veux tenir en une heure un peu plus, ça va être difficile parce que c'est 13,7 milliards d'années d'histoire, avec des observations qui vont dans tous les sens et qui font intervenir la physique, mais toute la physique en fait, et toute la physique connue. Donc je vais essayer de structurer ça le plus possible pour qu'on en comprenne ça. Donc ça, je vais sauter, je reviendrai à la fin, c'est mieux. Alors, la première période, c'est la cosmologie relativiste. C'est celle qui nous intéresse dans ce cycle de conférences parce qu'elle est en lien avec la relativité générale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cosmologie n'a pas attendu qu'on fasse de la relativité pour exister. Néanmoins, la théorie de la relativité, c'est une théorie qui nous parle de l'espace et du temps. Chaque solution de cette théorie-là, c'est un espace-temps, donc c'est un univers. Donc, on a une théorie dont les solutions, ce sont des univers possibles. Et donc, il est clair à partir de ce moment-là qu'on commence à faire de la cosmologie. On peut se poser la question de savoir quel est notre univers à nous. Alors, j'ai pris deux citations, je n'ai pas trouvé, vous allez comprendre, ça c'est de l'anglais simple. Donc, Ralph Alvers, c'est quelqu'un qui a travaillé avec George Gamow, on reviendra sur lui dans les années 40, et ça, il vous dit, voilà, « We take the origin of modern cosmology to be Einstein's general relativity, theory of relativity », donc c'est ce que je viens de vous dire, il dit « But it really was a terrifically simple idea ». Ça veut dire qu'en fait, si on pense que la cosmologie, c'est simplement une application de la relativité, on fait juste un petit peu de géométrie et on ne va pas décrire les choses, les phénomènes qui sont présents dans l'univers, et en particulier parce qu'il va nous manquer quelque chose de très important, c'est une description de la matière. Et ça, c'est la chose la plus difficile, c'est qu'en général, pour ceux qui ont suivi les conférences précédentes, on vous a parlé peut-être d'ondes gravitationnelles, on vous a parlé de structures autour des étoiles. Tout ça, c'était des solutions dans le vide. Ici, on a besoin de savoir
quelle est la matière, parce que c'est les structures de la matière qui vont déterminer la structure de l'espace-temps. Et il y a simplement deux cas en fait, où on doit se confronter à ça en relativité générale, c'est la cosmologie, et c'est quand vous vous intéressez à la structure interne des étoiles, parce que là, vous êtes vraiment en train de décrire ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Et puis ça veut aussi dire, je parle de la matière, que eh bien, à chaque fois qu'il y a une compréhension sur notre description de la matière, je dois l'inclure dans mon modèle. Alors on a découvert depuis quelques années, bon, il y a eu un prix Nobel, donc c'est un peu plus que quelques années, mais que les neutrinos avaient une masse. Ben, je ne peux pas faire de modèle cosmologique maintenant sans mettre une masse aux neutrinos. Avant, c'était le cas. Et donc on voit qu'il y a un lien très fort entre la cosmologie et la physique des particules. En particulier, ce sont sur les modèles de nucléosynthèse primale, donc de l'origine des éléments légers, qu'on a réussi à avoir une limite sur le nombre de familles de neutrinos. Donc on a vu que c'était de l'ordre de 3. Et ça ne sera vérifié expérimentalement en accélérateur que des années plus tard. Donc on voit que là, la cosmologie nous a dit quelque chose sur la physique de la matière qui a ensuite été déterminée en accélérateur. Et c'est la même chose aujourd'hui avec la matière noire. Si on ne sait pas, si on ne se trompe pas, eh bien, si on a vraiment mis en évidence l'existence de cette matière noire, eh bien, on doit, quelque part, la mettre dans notre modèle de la description de la matière. Donc, il y a une prédiction qu'il doit y avoir de la physique au-delà du modèle standard. Et ça montre que la cosmologie, c'est vraiment quelque chose d'inclusif. Il faut prendre en compte tous les progrès théoriques. Donc, c'est un peu fatigant, parce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut l'apprendre. Donc, voilà. Donc la cosmologie, donc la naissance de la cosmologie, je vous ai dit, c'est la relativité générale, parce qu'on a ces équations d'Einstein, vous les avez déjà vues, donc qui concernent la géométrie de l'espace-temps, donc ici un opérateur qui s'appelle le tenseur d'Einstein, et qui vous dit quelle est la géométrie si vous connaissez la distribution en matière de votre univers. Donc une relation entre le contenant, la géométrie, et le contenu, la matière qui est dans cet espace-temps. Alors il faut résoudre ces équations, et là on voit que ce n'est pas possible, pour deux raisons. Pour une raison mathématique et pour une raison physique. La raison mathématique, c'est que si on regarde ce système d'équations-là, eh ben, on va avoir un ensemble de 10 équations aux dérivées partielles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, juste dites-vous que ça veut dire que c'est difficile. Non linéaire, couplé. D'accord ? Si vous êtes un peu mathématicien et vous avez déjà résolu des équations, vous allez vous dire « Ouh là là !» Donc ça c'est des genres d'équations. Personne au monde ne sait résoudre ces équations-là. Hein, d'accord ? Même Cédric Vianney, il ne sait pas ça. Je sais, je lui ai demandé. Non, je plaisante, mais par exemple, on avait un trimestre sur les aspects mathématiques de la relativité générale aujourd'hui. On ne sait pas savoir quelles sont les conditions génériques sur les conditions initiales, sur les conditions aux limites, pour que ces équations-là aient des solutions. Les espaces-temps les plus simples, pour ceux qui ont suivi les séminaires précédents, on a parlé peut-être de la solution de Schwarzschild, on ne sait pas si cette solution est stable ou pas. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Donc, ces équations-là sont en général difficiles à résoudre ou impossibles à résoudre. Bon, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ici, je dois savoir quelle est la distribution de matière dans mon univers. Ça veut dire que je dois avoir une idée de quel type de matière il y a et où elle se trouve. Et ça, on voit que l'astrophysique me dit que ce n'est pas possible, parce que la seule chose que j'observe, eh bien, c'est la lumière qui m'arrive des galaxies distantes ou des étoiles distantes. Cette lumière se propage à la vitesse de la lumière, ça veut dire que je n'observe pas tout l'univers, j'observe une section de l'univers qu'on appelle notre cône de lumière, et je le vois que depuis un point de l'espace-temps. Donc déjà, j'ai qu'une... Une sorte d'échantillonnage dans un espace de dimension plus faible de la distribution de la matière. Et puis, c'est bien beau de dire une galaxie, mais en fait, on va faire des familles de galaxies, des familles d'étoiles. Il faut savoir, est-ce que mes observations sont représentées, quoi, comment est-ce que je définis ces classes, quel type d'observation est représentative de la classe. Et puis aussi, vous pouvez vous rendre compte que plus je vais regarder dans le passé, donc plus loin je regarde, plus il va être difficile de voir des objets, puisque les objets les moins lumineux ne vont pas être accessibles par nos télescopes. Donc il n'existe pas d'observation parfaite, et même avec les observations parfaites, vous n'avez pas accès à toute la distribution de matière. Donc l'astrophysique vous dit, ça ne sert à rien, votre problème, en fait, vous ne pouvez pas le résoudre. Donc c'est bien, les maths et l'astrophysique sont d'accord. Donc on a qu'une seule solution, bon, en fait on en a deux, c'est soit on va faire autre chose, soit on va se dire, eh bien, au lieu de savoir de résoudre ces équations, je vais chercher des solutions simplifiées de ces équations et je vais rechercher une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de mon univers. Alors il faut décrire bonne. Bonne, ça veut dire quoi ? Eh bien bonne, c'est comme je disais, un bon modèle, ça veut dire quelque chose qui me permet eh bien, de décrire toutes mes observations et d'avoir finalement prise sur toutes les observations que je peux faire dans mon univers. Alors c'est ce qu'a fait Einstein dès 1917. Il s'est dit, j'ai une théorie, eh bien je dois trouver une solution pour décrire mon univers, c'est la moindre des choses. Et donc il va faire trois hypothèses. Dans son modèle de 1917, il va dire que l'univers est spatialement fini. Il ne veut pas que l'univers soit infini.
La raison, c'est qu'il avait des idées sur l'origine de l'inertie et il s'est dit, s'il y a une quantité de matière infinie, eh bien, ça va me poser des problèmes. En théorie de Newton, ça vous pose un problème d'avoir un espace infini rempli de matière jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle le principe de Mach. Et donc, c'était bien d'avoir un univers fini. Un univers qui est statique, ça veut dire que l'espace ne change pas au cours du temps. Alors ça, pourquoi, on ne sait pas trop. Mais moi, mon interprétation, c'est que, en fait, il y en a deux. C'est que d'une part, observationnellement, il n'y avait aucune raison de mettre en cause cette chose-là, quoi, cette hypothèse-là. Et surtout que chez Newton, l'espace lui-même est quelque chose de statique et d'immuable. Donc même si Einstein est révolutionnaire, on voit qu'il est aussi un héritier de Newton. On ne va pas changer tout ce que l'on sait sur l'univers parce qu'on a fait une théorie de l'espace et du temps. Et puis, les équations, comme je l'ai dit, sont trop difficiles à résoudre, et il va supposer, pour des raisons mathématiques, que la distribution de matière est homogène. C'est-à-dire qu'en gros, statistiquement, si vous prenez n'importe quel volume suffisamment grand, eh bien, le nombre d'étoiles par unité de volume est suffisamment grand. Je dis étoiles parce qu'à l'époque, en 1917, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Ça, c'est un grand débat de l'époque entre Shapley et Curtis, des deux grands astrophysiciens. Et la question, on voit certaines nébuleuses d'étoiles et on se pose la question de savoir si elles sont dans notre galaxie ou si ce sont d'autres galaxies. Mais à l'époque, en 1917 et jusque dans le milieu des années 20, on n'aura pas la preuve de l'existence d'autres galaxies. Donc, il n'y a pas besoin de supposer un univers qui est très grand. Notre galaxie suffit avec un gaz d'étoiles. Et ça, si on regarde les équations... C'est quoi ? C'est le comité Nobel qui m'appelle. C'est pas la date, c'est bête. J'aurais... On va attendre, parce que j'aime pas rentrer en compétition avec les médias. Bon, alors, si on regarde les trois hypothèses, on se rend compte qu'elles sont incompatibles et que pour qu'elles puissent être compatibles, il faut rajouter un terme dans les équations d'Einstein, qui est ce terme-là, avec une constante ici qu'on appelle la constante cosmologique. Et il se trouve que si on se pose la question des équations les plus générales qui vérifient un certain nombre de propriétés, eh bien en fait, ce ne sont pas les équations d'Einstein, ce sont les équations d'Einstein plus ce terme-là. Donc on voit qu'au prix de l'introduction d'une constante cosmologique, eh bien on peut construire un univers fini, statique et homogène. Donc ça, c'est notre premier modèle d'univers. Et finalement, à l'époque, c'est un modèle satisfaisant pour décrire ce que l'on sait. Alors ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a des gens qui vont regarder les équations d'Einstein d'un peu plus près, en particulier Alexandre Freeman dans les années 20. Et il va supposer, comme Einstein, que la distribution de matière est homogène, donc il y a autant d'étoiles ou de galaxies, comme vous voulez, par unité de volume. Et puis il se dit, bah, en fait, si vous pensez à un gaz, la pression d'un gaz, hein, c'est les collisions. Si vous pensez à un gaz de galaxie, c'est quand même un gaz très dilué. Il y a des collisions de galaxies, il y a des collisions d'étoiles, mais c'est très très rare. Donc c'est une bonne approximation de dire que la pression est nulle. D'autre part, la vitesse des étoiles étant très très faible devant la vitesse de la lumière, ça va aussi dans cette direction. Donc, on va prendre un gaz de pression nulle, homogène, et puis il suppose que l'espace a une courbure qui est nulle ou positive. Puis ensuite, il va dire on a le droit de choisir négatif. Il va regarder ça et il va arriver à la conclusion que l'espace doit se dilater avec le temps. Donc ça, c'est sa conclusion. Il va rentrer en relation avec Einstein et en fait, Einstein va être tout à fait opposé à cette conclusion. D'une façon assez... Voilà, il a fait deux articles, c'est ça que j'ai marqué là. Ouais. Remarque sur le travail d'Alexandre Freeman sur la courbure de l'espace et une deuxième, je les ai mis dans l'ordre inverse juste un petit peu après. Dans le premier, en fait, il pense qu'il y a une erreur mathématique dans la résolution des équations par Freeman. Ensuite, il se rend compte que c'est correct. Il va simplement lui dire vos maths sont correctes, mais votre physique est abominable, quelque chose comme ça. Donc, je ne mets pas les guillemets, mais c'est en gros la substance de ce qu'il va lui dire. C'est bon, bref, c'est vrai. Mais ça ne correspond pas à ce que moi je pense de l'univers. Et je pense que pour ceux qui ont suivi les conférences, vous êtes rendu compte que Einstein était un homme de principe. Et si ses conclusions ne vont pas dans le sens de ses principes, il peut se bloquer. Et en fait, Einstein ne fera presque plus de cosmologie après cette époque-là. Alors celui qui vient ensuite, c'est Georges Lemaître. On nous a raconté un peu sa trajectoire. Dominique Lambert nous a présenté ce personnage assez extraordinaire. Et il va vérifier, indépendamment de Friedman, en fait, que les équations... Que la conclusion de Friedman est correcte. Et il va aussi montrer quelque chose de très important, c'est faire le lien à l'observation. Il va montrer en 1927 qu'il y a une relation entre l'expansion de l'univers et le décalage spectral des galaxies qu'on va pouvoir observer. C'est ce qu'on appellera en 1929 la loi de Hubble. Alors ça encore, il y a toute une histoire autour de pourquoi on appelle ça la loi de Hubble et pas la loi de Lemaître-Hubble. Et il va aussi trouver des modèles d'univers qui sont capables d'être en expansion, je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure, mais sans pourtant avoir de Big Bang. Donc ça, c'est intéressant, sans avoir de création au départ.
Et comme vous l'avez vu aussi chez Dominique Lambert, il est le premier à réfléchir à la physique de l'univers primordial avec une représentation de l'univers qui serait finalement un atome primitif qui va rentrer en expansion et où il fait le lien entre mécanique quantique, d'une certaine façon, et cosmologie. Et ça, c'est finalement ce que l'on va faire depuis les années 80. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir une contribution majeure à la compréhension de l'univers. Alors, comment on fait un modèle d'univers? Je vous dis, il faut choisir des solutions qui sont des solutions simplifiées. Et pour ça, il faut d'abord regarder autour de soi. Donc, le type d'observation que l'on peut faire, c'est par exemple celle-ci. Donc là, ici, vous avez chaque point est une direction dans le ciel. D'accord? Donc, le ciel, c'est une sphère autour de nous. Donc, on a deux angles pour regarder. Donc, un angle comme ça et un angle comme ça, par exemple. Donc, c'est un espace à deux dimensions. Donc, je peux représenter tout le ciel à l'intérieur d'un disque ou à l'intérieur d'une ellipse. Et chaque point ici, c'est une radiogalaxie. Donc vous voyez, je regarde toutes les radiogalaxies, moi je suis au centre. Là, le trou, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que c'est des problèmes de télescope et d'observation. Et vous voyez que la distribution des points eh bien, est à peu près la même dans toutes les directions. On ne peut pas dire à partir de ces observations-là, tenez, là c'est le nord, là c'est le sud, là c'est la direction de quelque chose. La distribution de points ne me permet pas de mettre en évidence une direction privilégiée dans l'univers. Ça ici, ce sont des fluctuations de température du fond diffus cosmologique, donc des zones un peu plus froides et un peu plus chaudes dans l'univers. Ça représente encore tout le ciel, et on peut regarder cette distribution de température est statistiquement isotrope aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de définir une direction privilégiée. Donc, les observations me disent, eh bien, ton univers est assez proche d'un univers isotrope, donc construis un univers qui a cette symétrie-là. Et on a deux façons de faire ça. Donc la première, c'est celle-ci, c'est de se dire, tout semble à symétrie sphérique autour de moi, eh bien, je vais construire un univers à symétrie sphérique, et moi, je dois être à peu près au centre. Parce que vous voyez qu'un observateur qui est ici ne voit pas l'univers à symétrie sphérique, il voit qu'il y a une direction privilégiée qui est la direction du centre. Il va avoir plus de galaxies par là et moins par là-bas. D'accord ? Donc ça, c'est un univers qui, pour l'observateur P, satisfait les observations que nous faisons, mais pas pour l'observateur Q. Donc il y a un observateur privilégié qui est le point P. Alors ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de se dire, eh bien, je voudrais que tous les observateurs voient la même chose. C'est-à-dire, je ne voudrais pas me singulariser en tant qu'observateur de l'univers. Parce que finalement, il y a beaucoup de galaxies, il y a beaucoup d'étoiles dans chacune des galaxies. On sait aujourd'hui, au moins dans notre galaxie, qu'il y a des planètes autour de quasiment toutes les étoiles. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des observateurs partout dans l'univers. Et donc, on aimerait que l'univers ressemble statistiquement, soit le même pour tous les observateurs. Et donc, on peut avoir une distribution de galaxies ou d'étoiles, comme vous voulez, quoi, de galaxies, qui soit aussi statistiquement homogène. Vous voyez que pour le point P, eh bien, il y a une symétrie sphérique, disons circulaire à deux dimensions, autour de lui. Et puis pour le point Q, c'est pareil. Donc, ils sont à peu près identiques. Et si on était n'importe où dans l'univers, eh bien, on verrait à peu près la même chose. Donc, on a deux choix. Et comme je vous l'ai dit, comme on voit l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps, avec nos observations depuis ici, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si l'univers est plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tester. Ah, on revient à de la cosmologie avec un grand C, il faut faire un choix. Donc comme c'est un choix, on appelle ça principe. D'accord ? Einstein disait qu'on n'a pas d'idée, on a des principes. Donc on appelle ça principe copernicien, ça veut dire que nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. On pourrait être n'importe où, dans n'importe quelle des galaxies, eh bien, ce que l'on observerait serait statistiquement identique. Et si on fait ça, ça va nous donner toute cette classe de modèles homogènes et isotropes. Et tous ces modèles-là ont la propriété d'avoir un espace qui est en expansion, et ça, on peut le relier à cette loi de Hubble. Donc ça, on voit que c'est vraiment une prédiction très générique de ce genre de choses. Tout à l'heure, je vous expliquerai, j'espère que sinon vous me posez la question, que de dire qu'on ne peut pas tester entre les deux, c'était vrai jusqu'en 2008. En fait, en 2008, on a trouvé une méthode de faire la distinction entre les deux. Donc c'était de la cosmologie avec un grand C, et hop, c'est redevenu de la cosmologie avec un petit C. Donc, vous voyez, tout ça n'est jamais fini, en fait. Et donc, en fonction de la quantité de matière et de la quantité de la valeur de la constante cosmologique, chaque point ici, c'est un modèle cosmologique, eh bien, on a la façon dont l'espace se dilate en fonction du temps. Ici, c'est une échelle de temps. Il n'y a pas vraiment d'échelle, tout est normalisé, c'est pas important. Donc ici, vous avez des univers. Alors, on va commencer par les plus simples. Ici, un univers qui a un Big Bang, qui est en expansion, et puis qui va s'effondrer sur lui-même pour aller à un Big Crunch. Ici, un univers qui part d'un Big Bang et qui va aller en expansion accélérée. Ici, un univers qui part très très grand, qui se contracte, qui rebondit et qui s'étend. Ici, un univers qui part de façon statique, et qui, un peu comme l'univers qu'avait décrit Einstein en 1917, et qui va rentrer en expansion. Donc vous voyez, on a toute une zoologie de type d'univers. Il faut savoir finalement, nous, on est où ?
Est-ce que notre univers, sa loi d'expansion, c'est plutôt ça, ça veut dire, ou est-ce que dans cet espace de paramètres, on se trouve? Donc, en gros, on voudrait savoir quelle est la quantité de matière et quelle est la valeur de la constante cosmologique. Et pendant très longtemps, c'était ça, la cosmologie observationnelle, c'était d'avoir une idée de la quantité de matière présente dans l'univers et de la valeur de la constante cosmologique. Alors, comme je vous l'ai dit, ça, il faut des observations. Et ces observations viennent de ces galaxies, donc déjà de se rendre compte qu'il existe des galaxies par Edwin Hubble, et de se rendre compte que si on est capable de mesurer à la fois la distance et la vitesse d'éloignement de ces galaxies, eh bien ça va nous donner accès à ce qu'on appelle la constante de Hubble, qui est en fait le taux d'expansion de notre univers. Alors ça, ça c'est tiré du papier de Hubble de 1929, et donc il va mesurer des spectres, donc les décalages spectraux ici vont lui donner une mesure de la vitesse de la galaxie. La taille apparente, eh bien, donne, donne la distance, hein, c'est la distance. Et donc on voit qu'on a une façon de mesurer la distance d'une galaxie et sa vitesse. Et donc à partir de ça, eh bien, on peut faire des petits diagrammes comme ça, où dans lequel on a la distance, on a la vitesse, et on voit bien qu'on a... Alors bien sûr, là, vous voyez, il n'y a pas de barre d'erreur. Donc à l'époque, on faisait de la physique sans barre d'erreur. Aujourd'hui, ça ne serait pas acceptable. Il faudrait mettre des petites barres d'erreur. C'est des choses qui ne vont pas très très loin, mais on voit qu'on a cette relation qui semble être linéaire entre la distance et la vitesse, donc qui est cette fameuse loi de Hubble que le maître avait dérivée comme prédiction de ces modèles cosmologiques. Donc ça, on voit que, et si je mesure cette droite-là, ça va me dire quelque chose sur le contenu en matière de notre univers. Alors aujourd'hui, on est capable de faire la même chose, on voit très très loin. C'est un ensemble de différents catalogues de supernovas, donc cette fois-ci, on mesure la luminosité. On a un ensemble d'arguments qui nous permettent de penser, même d'affirmer que jusqu'à une certaine précision, les supernovas sont des chandelles standards, c'est-à-dire qu'on est capable de les calibrer. Si on est capable de les calibrer à partir de leur luminosité apparente, on peut en déduire leur distance. Et donc ça, c'est l'univers local, donc à l'eau petit redshift. Ça, c'est les observations du Sloan Digital Survey, et ici, donc, du Hubble Space Telescope et du SNLS, donc le Supernova Legacy Survey, qui a été fait au télescope franco-canadien de Hawaï. Et on voit, vous voyez, que le modèle que l'on déduit des observations, eh bien, est en accord avec toutes les observations. Bien sûr, vous avez toujours des points qui sont un petit peu en dehors, mais ça, vous y attendez. Si vous avez fait un peu de physique expérimentale, vous faites beaucoup de mesures, vous attendez toujours à avoir des points qui ne courent pas avec les observations. Pour les étudiants, si tous vos points sont exactement sur la courbe, c'est que vous avez triché. Donc ça, c'est... Voilà. Les statistiques, parfois, vous... Donc, les débats de l'époque, c'est finalement, eh bien, on décrit peu la matière, on veut savoir si l'univers est spatialement courbe ou pas, est-ce qu'il va aller vers un Big Crunch, est-ce qu'il a eu un Big Bang, et puis voilà. Donc on joue avec la géométrie, on a peu d'observations, et comme le disait Jean Eisenstadt dans un de ses livres, c'est vraiment un espace de liberté pour penser la relativité, parce qu'à cette époque-là, comme il vous l'a expliqué, il y avait peu de gens qui faisaient de la relativité générale, et il y avait une petite niche de gens qui continuaient, parce que la cosmologie, ce n'était pas vraiment considéré comme une science, donc on les laissait libres de faire leur petit truc. Et voilà, ça va être toute la première base. Bon. Alors ensuite, on va passer, ça c'est la première, c'est les années 20 jusqu'à les années 30, et puis les choses vont changer. Les choses vont changer, on va passer au modèle du Big Bang Show. Donc là, l'univers, vous voyez, il commence, on sent la matière, il va avoir de la chaleur. Donc ça va se passer dans les années 30, dans les années 40. Qu'est-ce qui se passe en physique dans les années 30-40? Eh bien, c'est vraiment l'essor de la physique nucléaire, de la physique atomique, physique nucléaire. Et les gens vont se dire, ben en fait, on a des théories de description de la matière, il faut mettre la physique nucléaire, la physique atomique, dans un espace-temps en expansion. Donc ça va commencer à se faire. On a des articles, est-ce que j'ai marqué? Oui, là, par Richard Tolman, par exemple, qui écrit un très bon livre sur la thermodynamique dans les espaces en expansion, dans les fins des années 30. Et puis, on va se rendre compte, on va dire, mais s'il y a de la matière et de la radiation, donc on voit qu'il y a de la lumière ici, eh bien, la matière, donc un gaz de galaxie et un gaz de photon, ne se comportent pas de la même façon. Un gaz de matière est simplement dilué, alors que pour un gaz de photon, donc de la radiation, eh bien, le gaz est dilué, mais la longueur d'onde de chacun des photons est aussi étirée. Donc, en fait, sa densité d'énergie va décroître plus rapidement. Ce qui veut dire que si vous retournez dans le passé, il y a toujours un moment dans lequel c'est la radiation qui domine les premiers instants de l'univers. Et donc, on va pouvoir s'intéresser simplement à ce qui se passe dans les premières phases en se disant, mais j'ai que de la radiation. Alors ça, la radiation, c'est bien parce qu'on connaît des choses de thermodynamique qui nous disent qu'un gaz de radiation, eh bien, sa pression, c'est la densité d'énergie divisée par 3. Donc on va connaître l'équation d'état de la matière et on va pouvoir prendre ça en compte et se dire, bah, finalement, à quoi ressemble mon univers? Alors ça va mener dans des grands développements. En particulier, on va se rendre compte que l'univers a une histoire thermique. L'univers... S'il se dilate, eh bien, la radiation, donc vous l'avez vu ici, donc si l'univers est
dominé par la radiation, eh bien, à cause de l'expansion, eh bien, l'univers se refroidit. Et puis, il y a un moment, il va être dominé par la matière. Donc, quelque part, il se passe quelque chose. Il n'est pas toujours le même. La physique à l'œuvre dans les phases primordiales et dans les phases ultérieures sont différentes. Et donc, on peut définir, par exemple, un moment d'égalité où la densité de radiation et de matière sont identiques. Et là, ces deux parties de l'histoire de l'univers sont différentes. Il ne va pas se passer les mêmes phénomènes physiques. Donc, on arrive à la conclusion que l'univers a une histoire thermique. Et ça va plus loin que simplement ce que je vous ai montré, c'est que eh bien, si l'univers devient plus chaud, si vous prenez une particule de masse m, vous comparez la température, si la masse est grande devant la température, cette particule est non relativiste, si elle est petite, elle est ultra-relativiste. Donc on va passer, les particules, dans un univers chaud en interaction avec la lumière, ne se comportent pas de la même façon. On a compris ensuite dans les années 50-60 qu'il y avait des symétries en physique, que ces symétries pouvaient être spontanément brisées. Eh bien, si l'univers est plus chaud, il pouvait y avoir des symétries dans l'univers primordial qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis on a certaines interactions. Donc les interactions, c'est en gros des particules qui sont en collision. Imaginez que votre densité de particules diminue, vous avez un taux d'interaction, le gaz se dilue. Eh bien, en se diluant, le taux d'interaction va diminuer. Et donc il y a une compétition entre le taux d'interaction et le taux d'expansion de l'univers qui fait que certaines interactions peuvent être effectives dans l'univers primordial et ne plus l'être plus tard. Donc ça veut dire qu'il peut se passer plein de choses. Il y a toute une histoire à reconstruire et ça, c'est ce que vont comprendre toute une équipe autour de Georges Gamow. Donc Gamow, Bethe, Alpher, Hermann, que j'ai cité tout à l'heure. Et ça va être se dire, on prenons au sérieux la physique nucléaire et la physique électromagnétique dans un espace-temps en expansion et voyons ce qu'on est capable de comprendre. Alors ils ont fait ça. Et ils sont arrivés à des conclusions qui sont assez phénoménales. La première, c'est qu'ils se sont dit que la matière est faite de noyaux. D'accord, vous prenez des noyaux. Un noyau, c'est composé de neutrons et de protons. Mais si vous le mettez en présence de lumière, si la lumière, elle est là, ouais, elle ne me fait rien, la lumière. Mais imaginez que ce soit de la lumière vraiment très intense, que l'énergie des photons soit plus grande que l'énergie de liaison du noyau. Qu'est-ce qui va se faire? La lumière peut casser les noyaux. Donc, dans l'univers très primordial, il était très, très chaud, eh bien, l'énergie du bain de photons dans lequel se trouvait la matière était telle qu'on ne pouvait pas avoir de noyau stable, on ne pouvait avoir qu'un gaz de neutrons et de protons. Donc ils se sont dit, partons d'un gaz de neutrons et de protons, laissons la température de l'univers baisser, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, au moment où on va commencer à faire, donc on a des neutrons et des protons, un neutron, ça a envie d'aller avec un proton pour faire du deutérium. Alors on peut essayer, mais dès qu'on l'en forme, l'univers est trop chaud, ça casse, parce que le deutérium, c'est assez fragile. Donc tant que la température est plus grande que l'énergie de liaison du deutérium, on ne peut pas avoir de deutérium. Et puis la température du bain de photons va diminuer parce que l'univers se refroidit. Eh bien, il y a un moment, l'univers va être suffisamment froid pour qu'on puisse former du deutérium. Et dès qu'on a formé du deutérium, il va y avoir, pas la peine de comprendre ça, c'est juste une série de réactions nucléaires, mais qui vont vous permettre de former du tritium, de l'hélium-4, du lithium-7, du beryllium. Et puis on peut aller jusqu'à un petit peu de carbone, un petit peu d'oxygène, ainsi de suite. Et donc, on se rend compte que si on part d'un univers qui initialement est chaud, dans lequel il n'y a que des neutrons et des protons, et qu'on laisse cet univers se refroidir et qu'on prend en compte la physique nucléaire, eh bien, on est capable de calculer l'abondance des éléments légers dans l'univers, donc le lithium, le beryllium, le carbone, le deutérium et le tritium. Donc ça, on est capable de les calculer, et ça va dépendre que des propriétés de ces interactions nucléaires. Donc ça, on est capable de le faire. Et voilà à quoi ça ressemble. On a, en fonction de la quantité de la radiation dans l'univers et de la quantité du nombre de baryons dans l'univers, ça c'est le rapport entre les deux, eh bien les prédictions pour les abondances de l'hélium-4, du deutérium, du tritium et du lithium-7. Et vous voyez, ça ce sont les prédictions, et voilà les observations. Aujourd'hui, on doit être aussi dans cette petite bande-là, donc on voit que pour l'hélium-4, ça marche, pour le deutérium, ça marche, pour le tritium, ça marche, alors pour le lithium-7, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et ça, c'est un des plus gros problèmes de la cosmologie aujourd'hui, du moins en termes du modèle comparé aux observations. Là, ça ne marche pas. Et on va ensuite comprendre, vous voyez, on va jusqu'au lithium. Alors, le lithium, il est où? Il est là. On sait calculer le beryllium, le bore, le carbone, l'azote. On peut aller jusque par là. Jusqu'à là, on en forme encore un petit peu, vraiment très, très peu, jusqu'à l'oxygène. Et on est capable aujourd'hui de les calculer. Alors, si vous voulez calculer l'abondance d'oxygène, il vous faut quelque chose comme plus de 450 réactions nucléaires. Donc, ça commence à faire des codes numériques qui sont un petit peu élevés. Mais ce qu'on a compris, c'est que, de façon évidente, il y a beaucoup de carbone ici, et il y a beaucoup, et pas simplement parce que c'est la COP21, mais il y a du carbone, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne serait pas là pour en parler. Il y a du carbone, il y a de l'oxygène, tout ça est nécessaire pour faire les atomes, les molécules, j'ai dit une bêtise alors, c'est ça, les molécules, c'est pas...
Hashtag COP21, c'est pour ça. Donc, pour faire les molécules qui vont vous donner finalement peut-être des chaînes d'ADN et tout ça. Donc, c'est très important pour nous, en tous les cas, en tant qu'être humain, eucaryote au moins, d'avoir l'existence de tous ces noyaux atomiques. Et aujourd'hui, on sait dans quel site tous ces noyaux sont formés. Certains pendant l'univers primordial et d'autres sont formés, j'explique pas ça, c'est juste une image, sont formés dans la nucléosynthèse stellaire. Donc les étoiles, elles, vont ensuite former les éléments. Les étoiles de première génération vont former beaucoup de carbone, d'azote et d'oxygène, par exemple. Et ça vous donne, on a compris aujourd'hui, l'origine de tous les éléments chimiques. Ça, on est capable de raconter l'histoire de chacun des éléments chimiques. Donc ça, c'est déjà un succès du modèle, c'est qu'en prenant en compte la physique nucléaire dans l'univers primordial et dans le fonctionnement des étoiles, eh bien, on est capable de résoudre le problème de l'origine, de la diversité des éléments chimiques. Il suffit de partir de neutrons et de protons, et la variété des sites, la physique, fait eh bien, qu'on va avoir tous ces éléments-là avec certaines abondances. Donc ça, c'est, pour moi, c'est déjà un succès de ce modèle. Alors ça, c'est la physique nucléaire. On a ensuite la physique atomique. La physique atomique, elle, vous dit que eh bien, la lumière va interagir avec les atomes, d'accord, les atomes qui se désexcitent et émettent des photons. Eh bien, pareil, si l'intensité de cette lumière est trop grande, eh bien, j'ai un électron, par exemple, j'ai un noyau d'hydrogène, un proton, un électron, eh bien, cet atome va être ionisé. Et donc, si on est dans le passé, l'univers est trop chaud, la matière est ionisée. On a formé les noyaux, c'est une chose, mais il faut encore attendre que ça se refroidisse bien pour qu'il puisse s'apparier avec des électrons, et donc que la matière devienne neutre. On a donc un plasma. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plasma interagit fortement avec la lumière. Donc en fait, dans l'univers primordial, on n'a pas des noyaux neutres, hein, des noyaux avec des électrons autour, on a un gaz d'atomes avec des électrons qui sont à droite à gauche, et les photons interagissent énormément avec cette matière-là, ce qui fait qu'elle ne va pas en ligne droite, hein, elle fait plutôt une marche aléatoire. Et il y a un moment où on forme des atomes neutres, et là, la lumière, elle, peut se propager en ligne droite. Et on est capable de calculer la densité, la température de ce bain de photons et ses propriétés, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et ça, sans vous expliquer ce que c'est le spectre en énergie de ce rayonnement-là. Et vous voyez, ça, c'est la prédiction théorique, une fois qu'on a mesuré sa température, et ça, ce sont les observations. Et donc, on voit bien que le spectre prédit est exactement en accord avec ce qu'on est capable d'observer. Donc, ça veut dire qu'on est encore capable de comprendre ce mécanisme-là. Bon, ça, je suis long, alors je vais sauter ça, c'est pas grave. Donc, on est dans une époque où on a mis à l'œuvre la physique nucléaire, la physique atomique, on a prédit, on a compris l'origine des éléments, on a compris l'existence de ce fond diffus cosmologique qui sera étudié énormément dans les décennies à suivre. Et puis, il y a quand même un débat dans les années 40, qui est de savoir est-ce que l'univers est vraiment statique, vraiment en expansion. Alors, ce qui est important, c'est que c'est ce genre d'observations qui ont été faites dans les fins des années 90, en particulier celle-ci par Patrick Petitjean de l'Institut d'astrophysique de Paris, où on est capable de mesurer la température du fond diffus cosmologique dans l'univers un peu plus ancien que le nôtre. Et donc, on sait que l'univers doit se refroidir, on sait comment l'univers se refroidit avec le temps, c'est la prédiction théorique, et voilà les observations, et donc ça nous montre que l'univers est vraiment en expansion. Et donc il y a encore des gens qui prétendent des thèses que l'univers n'est pas en expansion, mais ils sont incapables d'expliquer ce genre de choses, et d'ailleurs ils l'ignorent, et ils ont bien raison, parce qu'ils ne pourraient pas l'expliquer. Donc on est dans un cas où on a beaucoup appris, on est capable par ces observations-là de mesurer la quantité de matière, de radiation, de la valeur de la constante cosmologique, la courbure spatiale, et puis on a deux nouveaux piliers observationnels, l'origine des éléments légers, leur abondance, et puis le fond diffus cosmologique, au moins sa température. Donc ça c'est bien, on a appris plein de choses, mais l'univers est toujours homogène et isotrope, et ça c'est embêtant parce que quand on regarde, il n'est pas homogène et isotrope, il y a quand même des galaxies, il y a quand même des structures, il y a des vides. Donc il faut expliquer les grandes structures. D'accord ? L'univers, il ressemble plutôt à ça. Ça, c'est une coupe dans le catalogue Sloan Digital Survey. Donc vous voyez, chaque point est une galaxie, on voit qu'il y a des filaments, on voit qu'il y a des vides, on a plein de structures. Donc on doit être capable d'expliquer ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Alors ce qu'on peut voir, c'est que si j'observe le fond diffus cosmologique, voilà une observation du fond diffus cosmologique par Planck, eh bien, l'univers n'a pas la même température dans les différentes directions du ciel. Il y a des fluctuations qui sont très très faibles, de l'ordre de 10-5. Mais si on a des fluctuations de température, ça veut dire qu'il y a des fluctuations de densité. Si vous prenez un gaz plus dense et plus chaud, et donc ça veut dire qu'on a des fluctuations de densité initiale. Bien, si on a des fluctuations de densité, si on laisse la gravitation faire juste son métier, eh bien, les zones qui sont denses vont accréter de la matière, les zones qui sont vides vont se vider, et normalement, on devrait former des structures. Donc ça, c'est les conditions initiales. On a la loi qui est la relativité générale. Est-ce qu'à partir de ces conditions initiales et la relativité générale, on arrive à reproduire la distribution des galaxies telle que l'on l'observe ?
Donc ça, c'est ce qu'on va être capable de faire. Alors la grande difficulté, c'est qu'il faut savoir vraiment cerner la question, parce que dans l'univers, on peut se dire, attention, il y a des objets de toutes les masses, de toutes les tailles, ça c'est les contrastes de densité. Vous voyez, j'ai mis un certain nombre d'objets, les filaments, donc les étoiles par exemple, qui ont des masses entre 1 et 100 masses solaires, mais on voit qu'on a des objets qui vont sur 16 ordres de grandeur. Donc c'est quelque chose de très très difficile. Donc votre théorie, elle va d'abord essayer d'expliquer les grandes structures, pourquoi on a des villes, pourquoi on a des clusters, des galaxies. Mais si vous voulez expliquer les étoiles, ça ne va peut-être pas être exactement le même modèle. Et ça, ce n'est pas choquant, c'est simplement parce qu'il y a peu de théories en physique qui sont capables d'expliquer des phénomènes sur 16 ordres de grandeur. La physique qui est à l'œuvre n'est pas la même. Donc ça, ça veut dire qu'on va utiliser à la fois une approche analytique pour les très grandes structures, et puis à un moment où on ne va plus être capable de faire simplement des approches analytiques, la physique va devenir trop non linéaire, et dans ce cas-là, on va utiliser des simulations numériques. Et donc, on va être capable de comprendre la structuration de l'univers, et elle va dépendre de deux choses, des conditions initiales et du contenu en matière. On a une mesure des conditions initiales, on a des contraintes sur le contenu en matière, donc on doit être capable de savoir si ça marche avec les observations. Alors juste pour vous montrer un petit peu des exemples, vous avez ici voilà, un exemple de structuration de l'univers dans une simulation numérique. Vous partez d'un ensemble de points qui est presque homogène, avec des fluctuations qui sont compatibles avec celles du fond diffus cosmologique, et vous laissez votre univers évoluer, et vous voyez qu'au cours de l'évolution, eh bien, les contrastes de densité vont augmenter, et la matière va se structurer, on va avoir des filaments, et puis à la fin, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on observe, des grands vides et des filaments. Donc qualitativement, ça marche. Est-ce que maintenant, de façon précise, ce genre de modèle fonctionne avec les observations? Alors ça, c'est la simulation du millénium, par exemple, où on voit qu'on est même capable, en résolution, donc là, c'est vraiment des choses de très très haute technologie en termes de simulation numérique, vous avez la distribution des grandes structures, donc ici des filaments, et puis vous faites des zooms, et vous allez voir jusqu'à l'intérieur, donc voilà, des objets. Donc ce petit point est une galaxie. Ici, vous avez la distribution du gaz. Et vous allez à l'intérieur de cette galaxie, vous voyez presque une distribution d'étoiles. Donc on se rend compte que ce genre de choses, en termes de résolution de vos équations et de résolution numérique, est quelque chose de faramineux. Et aujourd'hui, on est capable de faire ça. Il y a des super ordinateurs qui sont dédiés au calcul des grandes structures pour comparer ces modèles aux observations. Donc tout ça, ça va se faire dans les années 70. Et ce qui va être important... J'ai préparé trop de choses, mais ce n'est pas grave, je vais retomber sur mes pattes. C'est qu'une des conclusions, c'est que pour être en accord avec ce qu'on observe, il faut introduire un nouveau type de matière qu'on appelle la matière noire. Alors je vais essayer de vous donner un certain nombre d'arguments. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire sans matière noire? Ou du moins, que si vous vouliez faire sans matière noire, il faudrait être capable de m'expliquer cela, cet ensemble de choses, de façon cohérente, hein, donc c'est un peu difficile. Alors la première chose, c'est Zwicky. Dans les années 30, il va se rendre compte, en regardant la dynamique des galaxies, les galaxies sont dans des amas de galaxies, et bien qu'en regardant la vitesse moyenne de ces galaxies, et bien il n'y a pas assez de masse dans ces amas de galaxies. Donc pour les tenir ensemble, il faut que le système soit gravitationnellement lié, il faut rajouter de la matière noire. Donc ça, on est dans les années 30. On se rend compte à peu près, dans les années 60, en regardant les galaxies spirales, on peut mesurer, donc si vous la voyez par la tranche, vous voyez la vitesse des étoiles en fait, qui s'éloignent de vous et qui se rapprochent de vous. Donc par effet Doppler, vous êtes, en fonction du rayon, vous êtes capable de mesurer la vitesse des étoiles. Si la seule matière présente dans cette galaxie était les étoiles et le gaz, eh bien voilà ce que vous devriez avoir. Et en fait, vous vous rendez compte que la vitesse ici atteint un plateau, elle ne diminue pas avec la distance. Et ça vous dit qu'il y a de la matière par ici, parce que sinon, ce n'est pas en accord, et il n'y a même pas besoin de relativité générale. Avec les lois de Newton, ça suffit dans ce régime-là. Eh bien, ce n'est pas en accord avec les lois de Newton, et donc il faut invoquer l'existence d'un halo de matière noire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les deux observations, les amas et puis des galaxies, on se rend compte que la quantité relative de cette matière noire par rapport à la matière ordinaire est à peu près du même ordre de grandeur. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est relié à ces histoires de relativité générale, c'est que l'espace-temps est inhomogène, donc il y a des anisotropies, des inhomogénéités de courbure, et donc on va avoir des effets de lentilles gravitationnelles. Voilà une observation, vous voyez des galaxies d'arrière-plan, dont la forme ici, on a des petits arcs, eh bien, sont déformés par le fait qu'on passe dans une distribution de matière. Donc on peut reconstruire à partir des effets de lentilles gravitationnelles la distribution de matière. Et ça, vous avez une reconstruction ici de votre carte de diffusion de matière. Ça, c'est le survey Cosmos qui a essayé pour la première fois de faire une représentation à trois dimensions de la distribution de la matière noire dans notre univers. Donc vous voyez, c'est très différent. Les premières observations, c'était de la dynamique. Et là, c'est la déflexion de la lumière. Donc c'est le fait que la lumière n'est sensible qu'à la géométrie de l'espace-temps et que toute matière courbe l'espace-temps. Donc on a deux types d'observations qui sont complètement différentes. Et là, c'est en accord. Alors on a des observations encore plus surprenantes. Voilà deux galaxies, ce qu'on appelle le bullet cluster, donc l'amas du bullet cluster. Le boulet, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si
Bon, bref. Et donc, vous avez à la fois de la matière noire et de la matière du gaz, mais si vous avez deux galaxies ou deux amas qui rentrent l'un dans l'autre, il va y avoir une onde de choc. Donc, vous pouvez mesurer la distribution de la matière par les effets de l'antigravitationnel. Voilà, c'est en bleu. Et ça, c'est la distribution du gaz chaud. Et s'il n'y avait pas d'autre matière que la matière ordinaire, on devrait voir que cette zone-là coïncide avec cette zone-là, c'est-à-dire que la matière crée le champ de gravitation. Et là, on voit qu'il y a un décalage entre le champ de gravitation ici et ici et la distribution de la matière. Et la raison est simple, c'est que la matière noire n'interagit pas, donc ça passe sans onde de choc, alors que la matière ordinaire passe avec des ondes de choc. Donc ça aussi, on voit qu'on a un type de matière qui ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Et je vous ai dit, on a des effets de l'antigravitationnel. Il y a 2 ans, Planck a mesuré les effets de l'antigravitationnel aussi sur le fond diffus cosmologique. Voilà la prédiction du modèle, voilà les observations. Là encore, on est dans un régime différent et c'est encore un indice de l'existence de cette matière noire. Donc là, c'est 4 exemples, mais en fait, on a des indications, ce n'est pas des preuves, c'est des indications qu'avec cette explication-là, on arrive à réconcilier plein d'observations dans des régimes différents et qui font sens. Alors ça veut dire que ça, c'est le paradigme qu'on va adopter, quitte à devoir le remettre en cause, et en particulier se poser la question de savoir est-ce qu'à ces échelles-là, la relativité générale est une bonne description de la cosmologie. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose que les gens font, et aujourd'hui, on a développé des méthodes pour tester la relativité générale aux échelles astrophysiques, pour savoir si on a vraiment cette indication d'existence de la matière noire. Alors, on a aussi, mais je vais passer rapidement, le fait que la constante cosmologique doit être nulle. L'univers est vraiment en train d'accélérer. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer pour plein de raisons aujourd'hui. Donc ça, on a un modèle, vous voyez, qui permet d'expliquer l'origine des structures si, au départ, il y a des petites fluctuations. Donc la question, c'est d'où viennent ces petites fluctuations? Et ça, c'est le 4e étage de ma fusée. Je vais le faire très court, celui-là. Il est plus compliqué, c'est pour ça. C'est la cosmologie primordiale. On va se rendre compte, on a mis la physique nucléaire, on a mis la physique atomique, on a mis la formation des structures. Eh bien, il faut maintenant prendre en compte le fait que la matière, elle est quantique. Et donc, si on prend l'aspect quantique de la matière, quand l'univers est beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud, ces effets quantiques vont être importants. Et on va se rendre compte que ça donne plein de propriétés à l'univers, et en particulier, alors on n'y est pas arrivé directement, j'avais fait un truc un peu historique, mais ça, on va pas le faire. On va se rendre compte que si on prend la nature quantique de la matière en description dans l'univers le plus primordial, eh bien on se rend compte que dans l'univers primordial, il devait y avoir une phase d'expansion accélérée avant notre univers chaud, hein, celui qui était décrit par Gamow et tous ses collègues. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris dans les années 80. Vous voyez, inflation possible. Bon, ça, c'était pour résoudre des problèmes qui étaient des problèmes du modèle standard. Mais il y avait beaucoup de précurseurs qui ne s'intéressaient pas à la cosmologie, qui se posaient la question de savoir est-ce que la mécanique quantique, les effets gravitationnels de la mécanique quantique peuvent déstabiliser un espace-temps et qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour l'univers. Donc on a tout ça qui a coagulé, je vais dire, dans les années 80 et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les modèles d'inflation. Et très important, en particulier, Slava Mukhanov et Chibisov ont vu, c'est de la même année, que si on avait des fluctuations quantiques, eh bien, cela pouvait donner la source aux petites inhomogénéités dont on avait besoin pour expliquer les grandes structures. Donc celles que vous voyez dans le fond diffus cosmologique, on peut les relier à ce qui se passe dans cette ère quantique. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, parce que ça veut dire que là, on a finalement un modèle pour l'origine des grandes structures, vraiment complets. Et on a surtout aussi une origine pour la matière, parce qu'il faut rajouter un type de matière qu'on appelle un champ scalaire. Donc vous ne savez pas ce que c'est, mais vous en connaissez un qui est très médiatique, c'est le boson de Higgs. Donc là, c'en est un autre qui n'est probablement pas le boson de Higgs, mais qui se désintègre à la fin de l'inflation pour former toutes les particules que l'on connaît aujourd'hui dans l'univers. Donc dans cette chose-là, ce qui est important de se dire, c'est que finalement, on ne fait pas de physique spéculative, on est en accord avec les observations, et en plus, on résout deux questions, c'est quelle est l'origine de la matière dans l'univers, et quelles sont l'origine des grandes structures. Et donc, vous voyez qu'on résout plusieurs problèmes d'origine, sans pour autant dire quelle est l'origine de l'univers, ça, on se garderait bien, ça, c'est pas possible. Et puis, on se rend compte que dans ce modèle-là, si on l'extrapole, ça vous donne une image de l'univers qui est complètement folle, en fait, dans lequel il serait toujours en expansion. Et puis, il y a des bulles qui sortent de l'expansion accélérée de temps en temps. Et puis, nous, en fait, on est là et on n'observe qu'une petite partie de cette région-là qui serait sortie de l'inflation. Donc ça, c'est une image, alors là, très spéculative, parce que personne ne peut vous dire si une telle structure existe. Mais si on pousse le plus au bout les théories physiques de la nature que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, c'est l'image vers laquelle ça nous amène.
Et vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'on était ici, aujourd'hui, maintenant, on regardait l'univers depuis un seul point, on a regardé l'univers observable, on a fait parler l'univers observable, et en voulant comprendre pourquoi il était si homogène, si plat en moyenne, pourquoi il y avait des structures, eh bien on s'est rendu compte qu'on a compris les phases primordiales et que peut-être ça révèle l'existence d'une structure qui est complètement inimaginable. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est spéculatif, mais il y a beaucoup d'indications théoriques. La question, c'est est-ce que c'est de la cosmologie avec un grand C ou est-ce que c'est de la cosmologie avec un petit C? Et ça, ça va être un mélange de, finalement, nos meilleures compréhensions de la théorie quantique de la gravitation, peut-être, et puis surtout des observations pour voir si on peut rendre une telle structure accessible par certains types d'observations. J'ai plein d'autres trucs, mais je vais m'arrêter là, je pense que c'est un bon moment. Et donc, pour vous dire que vous voyez comment ça a procédé. On n'a pas voulu expliquer l'univers dans son ensemble tout de suite. On a expliqué les choses en partant d'ici et maintenant. On a regardé, on a expliqué les choses les unes après les autres. On a incorporé la physique que l'on connaissait et qu'on a découvert au XXe siècle les unes après les autres en se disant on veut quelque chose de cohérent, donc on doit tous les prendre en compte. Ça nous a révélé qu'il y avait un certain nombre d'époques dans l'histoire de l'univers, que l'univers avait une histoire. Et puis à la fin, on tombe sur un truc qui est très surprenant et qui n'était pas attendu, qui n'a pas été mis là à la main. Et bien sûr, il y a beaucoup de mes collègues qui vont dire « Ah ben ça c'est des... » Je ne vais pas dire le mot parce que c'est enregistré, mais bref, c'est pas de la physique. Et ils ont raison. Et il y en a d'autres qui vont dire « Mais en fait, il n'y a pas le choix, c'est obligatoirement comme ça. » Donc ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui sont très attachés au fait qu'on va faire des mesures et des expériences qu'on n'est pas capable de faire pour cette structure. Les autres sont plutôt théoriciens. Mais on voit que... On ne peut pas dire si l'univers est comme ça ou pas comme ça, mais que ça fait partie des champs que l'on doit explorer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire que l'univers est comme ça, il faut dire que c'est probablement, on a une chance, quoi, peut-être que l'univers est comme ça, et c'est une question intéressante que se demander si l'univers, dans les phases primordiales, était comme ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore de la cosmologie avec un petit C, et donc, si vous avez des avis différents entre plein de collègues, c'est normal, c'est juste que ce sont des choses qui sont en train d'être étudiées. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est un bon moment, là, de se baigner dans le multivers. Voilà, je vous remercie.